date infichue de mon enfance. Où sont les jours dorés où je voyais le monde entier dans une goutte de rosée? Où sont les jours tout blonds, les jours tout bleus, tout merveilleux de mon enfance? Et bien voilà, déjà en rejoignant le studio d'enregistrement de Ferney en mémoire, là où nous sommes actuellement, je me suis arrêté devant l'entrée et j'ai vu cette plaque qui disait « En 1945, dans cette maison Saint-Pierre, avec l'aide des petites sœurs de Jésus franciscaine, l'abbé Joseph Boisson fonda l'œuvre des Marmousets ». Alors, c'était en 1945, clin d'œil, ou je ne sais pas, du destin, je suis né en 1945, et à l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon père, donc j'étais bien un orphelin qui rentrait dans le cadre d'un orphelinat, dans la mesure où ma mère, de santé très fragile, ne pouvait guère s'occuper de moi. Et comme elle n'avait pas de... c'était une femme au foyer, eh bien, évidemment, elle est retournée vivre auprès de ses parents et a trouvé de l'emploi sur Bellegarde, dans les différentes usines. Il n'en manquait pas à l'époque. Mais il fallait faire quelque chose. Donc, après l'intervention de notre médecin de famille, qui était le docteur Vital Durand, intervention auprès de l'abbé Boisson, j'ai été admis, accepté, pour rentrer dans cette maison Saint-Pierre en février 1956. J'avais alors 10 ans. Alors, pour moi, le choc fut un petit peu rude. Habitué à vivre seul, étant enfant unique, j'avais toute latitude et toute liberté. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un espace clos. Les murs étaient très hauts autour de la maison Saint-Pierre. Au milieu d'une bande d'enfants qui tous étaient des orphelins, en tout cas des enfants qui avaient quitté leur famille, qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Nous étions en 1956, une année très froide d'ailleurs, peut-être une des plus froides qu'a connue notre région. Et donc, il a fallu un certain sens de l'adaptation. Adaptation aux règles de vie, qui étaient assez strictes à l'époque. Adaptation à un autre environnement, qu'il soit familier avec les autres, au niveau de la nourriture aussi, qui n'était pas à l'époque quand même ce qu'elle a pu être ou ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de beurre autour des pommes de terre à l'eau et il y avait plutôt des cailloux dans les lentilles. Mais bon, je me suis adapté tant bien que mal et pour moi quand même, dans cette maison où j'ai passé 4 années de mes jeunes années, en fait ça a été très difficile cette adaptation. Et il y a eu bien sûr des bons moments, hein, parce que une fois cette adaptation faite vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'environnement, il y a eu quand même des bons moments. On vivait en groupe, on avait un moniteur, on a fait des... Les seules sorties étaient nos sorties au bois du camp, comme on l'appelait jadis, c'est-à-dire qu'on allait dans les bois, et là on se regroupait par amitié avec les uns ou les autres, on construisait des cabanes, enfin c'était la liberté retrouvée. Hein, il y a eu aussi les voyages à pied jusqu'à Versoix pour aller piquer une tête. Personne ne savait nager à l'époque, mais on allait au lac se baigner, accompagné par Gilbert Châtillon. Et voilà, donc 4 années se sont passées ici. Alors, on avait une instruction, bien sûr, puisqu'il y avait 2 écoles. Ne pas oublier de dire qu'on était encadré par les religieuses dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'était Jacques David qui était le directeur de l'école,
Il y avait deux classes, une classe pour les petits et une classe pour les plus grands, de 10 à 14 ans. Je faisais partie de la deuxième. Et au bout de ces 4 années de classe, évidemment, il y avait un certificat d'études à l'époque. C'était le sésame qui ouvrait des portes, et principalement une porte, celle que l'abbé nous destinait si nous avions le sésame en poche pour nous permettre de continuer 2 années d'études et ensuite de pouvoir rentrer en apprentissage. Il avait un large réseau sur Genève, beaucoup de gens qui l'ont aidé dans ses démarches et qui ont compris son but. Et donc ça s'est passé comme ça. Jacques David était un instituteur, comme on disait à l'époque, qui avait des règles qui étaient assez sévères, mais un très bon instituteur. Il nous a inculqué beaucoup de règles importantes et qui nous ont servi toute notre vie, puisque à l'époque, eh bien, on commençait par une leçon de morale le matin en rentrant, n'est-ce pas? Ensuite, nous avions la visite de l'abbé Boisson, qui était venu dire sa messe journalière et qui, à son retour, avant de retrouver le foyer, venait nous dire bonjour et nous parler. Il savait bien qu'il y avait un manque et il était très amical. Et on savait qu'avec lui, on était sur le bon chemin, si toutefois on avait le certificat d'études. Donc, ce certificat d'études, eh bien, il a fallu le décrocher. Et en plus, il fallait, si possible, dixit Jacques David, avoir une mention pour faire mieux quand même que les gens de l'école publique, puisque nous étions une école privée. Et on est arrivé à le faire. En ce qui me concerne, ben, j'ai eu une petite mention, donc c'était pas plus mal. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans ce qu'on appelait la maison du haut, c'est-à-dire le foyer, qui permettait aux orphelins que nous étions de poursuivre un cheminement afin d'obtenir une vie normale, la vie de tout un chacun, apprentissage, et de faire de nous des hommes. C'était le but avoué de l'abbé. Alors, voilà, le foyer à côté de la maison Saint-Pierre, évidemment, c'était la liberté totale. Rentrer dans cette grande maison inaugurée en 1952. Moi, j'y suis rentré donc en 1960. Cette maison était tournée vers le soleil, sur un grand parc. Il n'y avait aucune serrure, toutes les portes étaient ouvertes. Tout était basé sur le respect et la confiance. Donc, je me suis mieux acclimaté de cette façon de vivre que de celle qu'on m'avait imposée ici, assez brusquement, je dois dire. Voilà. Donc, la vie au foyer s'est passée comme elle devait se passer. Les 2 premières années, nous avons été au collège, nous avons suivi un enseignement secondaire au collège Rigaud à Genève, sur la place des Nations, ce qui nous a permis d'acquérir des bases. Que nous n'avions encore pas, et surtout d'attendre l'âge d'entrée en apprentissage qui était en Suisse à 16 ans et qui s'étalait sur 4 années. Voilà, nous en avons profité pour apprendre l'allemand, qui était pour nous une langue que nous n'avions jamais vue, pas plus que l'anglais d'ailleurs, mais c'était l'allemand qui était plébiscité sur les écoles genevoises. Et c'est comme ça que je suis parti sur un apprentissage de typographe. Pourquoi? J'étais pas mauvais en français. On avait fait avec le collège une visite de la tribune de Genève. Et j'avais un prof qui m'a poussé un petit peu dans cette voie-là, en me disant, ben écoute, tu es bon en français, t'es pas très fort en maths et en géo, les chiffres l'attestent. J'ai jamais été ami avec les chiffres. Donc pourquoi pas? Donc j'ai passé un examen qui a confirmé la valeur que j'avais à ce niveau-là en français à l'époque.
Et donc, j'ai eu un contrat d'apprentissage dans une petite imprimerie à Genève, qui était très réputée pour son bien-faire. Donc, ça a été très bénéfique pour moi. Et parallèlement à l'éducation que je pouvais recevoir par ailleurs dans le cadre du foyer des Marmousets, donc j'ai fait un apprentissage qui s'est soldé par un diplôme qui m'a permis de me retrouver sur le marché du travail avec quand même des arguments qui pouvaient séduire un patron. J'étais jeune et plein de fougue. Voilà. Et puis, on pourrait parler très longuement de la vie interne du foyer, si l'on peut dire. Il est vrai que tout était basé sur le respect, la confiance. Le problème de l'environnement avec les jeunes de notre âge ou plus âgés, puisque le foyer regroupait des gens de 14 ans à 20 ans. Et donc, cette acclimatation a été beaucoup plus facile, même si, quelquefois, il fallait quand même défendre son bout de pain devant des grands qui avaient un peu plus d'appétit que nous. Mais c'était de bonne guerre et il n'y a jamais eu de problème. On avait un esprit de solidarité qui nous avait été inculqué par l'abbé, entre autres choses. Et on avait aussi des petits travaux. Chacun d'entre nous avait une responsabilité au niveau de la maison, quand il était plus âgé, au niveau des plus jeunes, pour seconder un peu l'abbé, qui était quand même seul à superviser tous ces gens. On était quand même une trentaine dans le foyer. Voilà. Donc, chaque samedi, on avait des petites tâches à accomplir, qu'on faisait sans rechigner. C'était l'apprentissage de la vie, tout simplement. Et voilà comment s'est passée ma vie, qui est ma période de vie au sein du foyer des Marmousets apprentis. Ce fut une des meilleures périodes de ma vie, il y en a eu d'autres après, mais celle-ci a été particulièrement marquante. L'esprit de solidarité se concrétisait aussi par rapport à une passion que l'on avait tous en commun, qui était le football. Dès qu'on avait un moment... évidemment, on tapait dans le nu, comme on disait à l'époque. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il existait des vélos. Je me suis mis sur un vélo et depuis, cette passion ne m'a jamais quitté. Donc j'ai laissé mes amis footeux pour faire de la bicyclette dans un premier temps. Du vélo par la suite, ce qui inculquait un passage par les compétitions. Je n'ai jamais brillé au niveau local ni international, mais la passion ne m'a jamais quitté. Est-ce qu'on peut revenir un instant à un rendez-vous annuel auprès de l'abbé Boisson? Parce qu'en fait, si le foyer existait, survivait, c'était grâce à ce rendez-vous annuel, celui de la fête des Marmousets, à laquelle évidemment chacun participait. Ce n'était plus une kermesse paroissiale, c'était bien une fête. C'était le mot que voulait employer l'abbé Boisson. Et c'est vrai que cette fête fédérait non seulement les Marmousets apprentis, mais tout le village de Ferney, qui attendait cette fête avec impatience. La première a eu lieu en 1952, lors de l'inauguration donc, du foyer. Et elle s'est poursuivie pendant 20 années. Elle a été très suivie par une large région qui allait du Genevois, du Grand Genevois, jusqu'aux confins de Yonnat, qui était la ville de naissance de l'abbé Boisson, en passant par Bellegarde, Nantua. Il y avait des cars qui venaient assister à ces spectacles. Mais c'était surtout une grande manifestation qui soudait les gens entre eux. Les gens de Ferney étaient disponibles et tout le monde attendait avec impatience de savoir quel poste on lui proposerait. Et puis c'était une grande fête et évidemment elle avait une finalité, c'était bien sûr d'assurer un budget annuel car
l'abbé vivait avec les allocations familiales qu'il recevait, des dons, mais il fallait quand même faire tourner une maison avec 30 adolescents. Voilà. Donc, à côté de cette fête, disons, dans le parc, nombre de stands étaient montés, chacun de nous était responsable d'un stand, et le but, c'était évidemment de vendre un maximum de gaufres, de billets roulés, de choses diverses et variées. Il y avait des jeux, il y avait le jeu des anneaux, enfin, plein de choses. Il y avait même un tir forain. Un tir forain qui nous avait été donné par un forain local qui était très ami avec l'abbé, qui ne m'a pas laissé que des bons souvenirs d'ailleurs, puisque un beau soir des années 1970, pour la fameuse fête des Marmousets qui avait lieu tous les troisièmes dimanches de juillet, j'étais responsable de ce stand de tir. Le stand était ouvert avant la prestation des artistes sur scène, comme les autres stands d'ailleurs. Et puis, par un malencontreux concours de circonstances, il s'est trouvé que j'ai été atteint par une balle de carabine 5 mm, qui est rentrée dans ma cuisse et qui est ressortie au niveau de ma fesse. Dieu merci, pas de grosse frayeur, beaucoup de chance, doublement de la chance, parce que j'étais marié depuis 3 mois. Et évidemment que ce n'était pas une chose très indiquée. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais tu parlais des spectacles, parce qu'il y a les stands, puis il y a tout de même les artistes, les vedettes qui viennent. Je ne vais pas les citer tous, mais enfin bon, il y en a eu beaucoup, tu te souviens sans doute. Oui, oui, je pourrais en citer beaucoup. Et vous vous rencontriez un peu, ces gens? Ces vedettes s'intéressaient un tout petit peu aux Marmousets, ou ils venaient là comme dans n'importe quelle salle de spectacle? Certaines, quand même, s'intéressaient un petit peu au but de l'abbé Boisson et donc aux Marmousets, et venaient volontiers partager un verre après, à la fin du spectacle. Nous avons eu aussi de très bonnes relations avec Gilbert Bécaud, qui était revenu une seconde fois. Car la première fois, il y avait un tel orage que, évidemment, les spectateurs, qui pourtant étaient très courageux et toujours présents, étaient un peu moins nombreux que d'habitude. Et ils savaient bien que ça posait un problème au niveau de notre budget. Et donc, il avait un passage au casino de Divonne prévu dans la semaine qui suivait. Et il nous avait proposé de revenir gracieusement. C'était bien la seule fois, parce que les gens ont toujours cru que les artistes venaient gratuitement, ce qui n'est pas vrai. Notre chiffre de budget, nous le tirions de tout ce que nous faisions en amont, hein, c'est-à-dire on organisait une tombola, on avait tous ces stands qui nous rapportaient de l'argent, parce qu'on récoltait beaucoup de l'eau, etc. Et donc, voilà comment ça se passait. Jacques Brel est venu... est venu partager un verre. Les compagnons de la chanson ont été aussi très proches. Ils avaient l'habitude aussi de la collectivité, eux, qui étaient neufs et qui chantaient toujours, qui étaient toujours ensemble. Et voilà. Il y a eu donc 20 manifestations avec les artistes, 20 fêtes des Marmousets. Et ça s'est arrêté avec Gilbert Bécaud en 1972. Par la suite, l'abbé Boisson, sollicité par l'évêque et soucieux de l'avenir de la maison, puisque le temps passait, est devenu donc vicaire général et a remis les Marmousets pour l'euro symbolique à une association qui s'appelle Orsac, qui était censée continuer donc l'œuvre dans les mêmes... dans la même idée que l'abbé Boisson, c'est-à-dire venir en aide aux jeunes démunis et les accompagner. Voilà. Mais la plupart d'entre vous n'aviez pas de parents, mais vous aviez d'une certaine manière un père ou un parrain, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est l'abbé Boisson, parce que c'était un personnage extraordinaire à tous égards. Évidemment, c'était un homme qui était à l'écoute, c'était un homme qui était accueillant, c'était un homme qui était visionnaire,
Et c'était notre père à tous, en définitive. Il remplaçait à la fois le père et la mère, puisque et il nous tirait toujours vers le haut. Il nous disait, vous êtes différents, mais vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes mieux que les autres. Donc toujours, il nous ouvrait la voie sur un chemin qui était le bon chemin. C'était le chemin à suivre. Et nous l'avons tous suivi, nous avons été nombreux à faire des apprentissages qui étaient plutôt des apprentissages manuels, mais nous avons tous eu une vie professionnelle bien remplie, et nous avons, comme tout un chacun, alors j'ai omis, là, je ne suis pas chronologique, j'ai omis de dire quand même qu'à la fin de cet apprentissage, nous avons donc eu un diplôme, nous avons pu travailler, mais tout de suite derrière venait le service militaire, auquel évidemment nous n'avons pas échappé. J'ai personnellement fait 16 mois dans l'armée. À la suite de quoi, on avait la possibilité de revenir quelques mois, quelques temps au foyer, pour d'une part décharger l'abbé au niveau qui avait de plus en plus de charges, le décharger pour contrôler un petit peu les plus jeunes que nous. Et donc, ça nous permettait aussi de mettre un petit peu d'argent de côté, parce qu'on n'avait absolument rien, on sortait d'apprentissage, on avait peut-être travaillé 2 mois, 3 mois avant de partir à l'armée. Et ça nous permettait d'avoir un petit quelque chose pour démarrer sereinement dans la vie. C'est ainsi que j'ai fait. Je suis resté quelques mois au foyer avant de partir faire un stage personnel en Allemagne, où j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une personne qui, comme moi, par le même organisme, l'organisme franco-allemand d'échange pour la jeunesse, se trouvait là-bas, et donc nous avons passé un an là-bas, ensemble, et au retour, on a bâti des projets communs, et ça a fini par un mariage. Et nous sommes toujours ensemble. Nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants, qui nous ont donné 4 petits-enfants. Et maintenant, nous sommes à la retraite, et donc on profite de tout ça. Grâce à un homme quand même qu'on a eu la chance de trouver sur notre chemin, qui s'appelle l'abbé Boisson. Oui, nous n'avons pas parlé non plus du décès de l'abbé Boisson, nous n'avons pas parlé du livre que l'on a sorti 10 ans après son décès pour laisser une trace écrite de sa vie, de son œuvre et des Marmousets. Je vous conseille d'ailleurs de consultez ce livre, il se trouve dans toutes les bibliothèques communales, vous pouvez le consulter gratuitement, ou vous en procurer un auprès de l'Amicale des Anciens Marmousets, parce que ça aussi j'ai oublié d'en parler. En fait, au départ de l'abbé, en 72, il a tenu à nous constituer en amicale, et il nous a dit, voilà, après mon départ, j'aimerais bien que l'esprit que j'ai donné continue, principalement dans le sens où vous avez reçu beaucoup, c'est à votre tour de donner et aux autres de recevoir. Donc vos actions seraient bénéfiques, et ce serait ma plus grande fierté de savoir que vous avez quelque part continué mon œuvre. Nous l'avons fait. Donc, je n'ai pas trop les dates en tête, mais depuis 72, nous avons organisé en tout cas une 20aine de lotos qui nous dégageaient de beaux bénéfices, dont nous avons fait profiter dans un premier temps les enfants des Marmousets qui étaient à notre suite avec leurs sacs. Et puis, par la suite, à beaucoup d'enfants... à l'étranger, dont nous connaissions les personnes qui s'occupaient à titre bénévole de ces enfants, qui étaient un petit peu dans le même cas que nous.
Et nous nous sommes dit, avec un euro, un franc, ici, on fait quelque chose, mais avec un franc là-bas, on fait beaucoup plus. Donc le but, c'était d'aider le plus possible. Et c'était de l'argent, on connaissait les gens qui en étaient les récipiendaires, on savait qu'ils allaient sur place, ils nous rendaient les comptes pour savoir ce qu'on avait fait avec cet argent. Et nous avons eu beaucoup de plaisir, donc nous sommes toujours constitués en amicale, évidemment que le nombre s'est réduit, puisque le temps passe et malheureusement il y en a qui disparaissent, mais nous continuons d'œuvrer auprès de ces associations. Et chaque année, à l'occasion du 19 mars, qui est la fête, qui est la Saint-Joseph, et la date à laquelle nous avions l'habitude de nous réunir pour fêter notre patron, qui était Joseph Boisson, donc, nous remettons à ces associations un chèque d'une valeur encore assez conséquente, eu égard aux enfants des pays auxquels ils s'adressent. Voilà, mais il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est quand même la vie familiale. J'ai parlé de ma rencontre, j'ai dit que j'étais grand-père, nous avons deux petits-fils, deux petites filles, et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et tu leur transmets quoi? Est-ce que tu leur transmets un peu de ce que tu as appris particulièrement? Grâce au Marmouset, grâce à l'abbé. Alors voilà, il y a des règles de vie qui nous ont été inculquées et qui avaient une valeur. J'ai parlé tout au début de la leçon d'instruction civique qu'on avait le matin avant de commencer les cours avec Jacques David. On a essayé de les éduquer de la meilleure façon possible et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi. Et voilà quoi. Si je devais prendre trois adjectifs, tu es fier, tu es heureux ou tu es simplement en paix? Fier, c'est un mot que je n'aime pas trop. On est content de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu transmettre. Heureux, certainement, parce que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin quelqu'un... qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu un long bail qui a été très marquant dans ma vie. Et puis la troisième, c'était... En paix, je suis... oui, tout à fait. Alors la phrase que je cherchais tout à l'heure, c'était une phrase qu'avait écrit Pascal Mélan, qui avait préfacé notre livre en 1982, et qui avait dit si un jour vous passez devant la maison, vous serez sans doute fier de pouvoir dire à vos enfants ou vos petits-enfants, tu vois, ici c'était ma maison et Ferney mon village. Voilà, c'est la phrase que je cherchais tout à l'heure et on a parlé d'autre chose et voilà, je l'ai retrouvée. Donc, tu me posais aussi la question de savoir si j'étais content si j'étais plus fernésien, mais je crois que je suis autant fernésien que sergien. Mais quand tu passes aujourd'hui, devant ce qui était le foyer des Marmousets apprentis, devant la grande maison des Marmousets, tu as encore l'impression que c'était et que c'est ta maison? Oui. 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 Très longtemps, j'ai eu mal au cœur de voir ce qu'elle était devenue dans la période qui a suivi sa donation à la commune et en attendant de savoir ce que la commune voulait en faire. Il s'est passé un certain temps où il y a eu des actes de vandalisme et chaque fois, évidemment, que ça me faisait vraiment quelque chose, pas seulement à moi, mais à tous les anciens qui passaient là. Dieu merci, la commune a su tirer et réhabiliter cette maison très, très bien. Et chaque fois que je passe devant, je regrette juste une chose, c'est un petit peu tout ce qu'on a construit devant cette magnifique façade et qui occulte maintenant cette façade pratiquement depuis la rue. Mais... chaque fois, et très souvent même, je passe pour faire un tour vers la maison. C'était ma maison.
Ça, c'était la maison du haut. Aujourd'hui, nous enregistrons dans la maison du bas, dans cette maison Saint-Pierre, où tu étais jeune orphelin. Quand tu y reviens, tu as l'impression de revenir aussi dans ta maison ? Pas tout à fait. C'est, disons, ça a été une période quand même, comme je l'ai précisé, assez difficile pour moi. J'ai vécu 4 années ici qui ne m'ont pas laissé les meilleurs souvenirs. Il y en a eu quelques bons, mais bon, j'ai eu quand même beaucoup de peine à m'adapter à la vie que j'ai menée à l'époque dans cette maison. Je suis par ailleurs content de voir qu'elle est devenue quand même un centre qui regroupe maintenant toutes les associations ferlinésiennes, dont la nôtre d'ailleurs, l'Amicale des Marmousets, et dont celle dont je fais partie aussi, qui est surtout la tienne, donc Ferney en mémoire. La mienne, Ferney en mémoire. Oui. Je pourrais dire qu'une chose, quoi. Une chose que des tas de gens pourraient dire aussi, c'est qu'on a eu un homme extraordinaire. Qui nous a ouvert une voie et qui nous a donné la possibilité d'être, de devenir des hommes, on espère à son image, bien que ce soit très difficile, parce qu'il avait une aura quand même qui est difficilement atteignable. Je pense que tout le monde s'accordera à le reconnaître. Voilà, c'était surtout ça que je voulais préciser. Tu t'es parfois posé la question de savoir qui tu serais, où tu serais aujourd'hui, s'il n'avait pas été là, à ce moment-là? Je ne me suis jamais posé la question comme ça, parce qu'en fait, je ne sais pas quelle aurait été... J'avais 10 ans quand mon père est décédé, et bon, à l'époque, c'était quand même difficile, c'était en 1955... toutes les familles avaient des soucis. C'était pas loin de la période après-guerre, reconstruction. Bon, franchement, je me suis pas projeté à ce niveau-là. Mais j'ai pas eu le temps de le faire, en définitive. J'ai pas eu le besoin de le faire après, puisque j'étais dans un schéma qui était un petit peu tracé et qui me convenait tout à fait, mis à part effectivement ces 4 années difficiles que j'ai vécues pour faire la transition entre ma maison et ma présence à la maison Saint-Pierre. Mais à Cergy, quand tu avais juste un peu moins de 10 ans, tu allais à l'école, il y avait des petits copains d'école, tu les as complètement perdus de vue ou tu en as retrouvé? Ah non, pas du tout, je les ai retrouvés, mais ils ont fait le même le circuit que moi, mais eux, ils avaient leur famille, et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, d'ailleurs, j'ai participé beaucoup à la... Enfin, dès que je suis revenu à Cergy, j'ai participé à la vie communale, appelé par le maire de l'époque à rejoindre sa liste. Bon, je n'ai fait qu'un mandat, mais les gens de Cergy, quand même, m'ont reconnu et m'ont adoubé, si tu veux, pour faire partie de ce conseil municipal. Donc, ça, j'en suis déjà très fier. Ce qui veut dire que mon père, bien que décédé fort jeune, il avait 38 ans, a laissé aussi une trace, une bonne trace dans mon village. L'abbé disait, tu n'es pas... comme eux, tu es mieux qu'eux. Est-ce que, par rapport à ceux qui n'ont pas été marmousets, tu te sens comme eux ou mieux qu'eux ? Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça qu'il voulait dire non plus. En fait, c'était pour lui une façon comme une autre de nous élever, et parce que l'orphelin, quand même, à cette époque-là, était quand même... c'était un statut quand même qui était lourd et difficile à porter. Avoir une famille, c'était tout ce qu'il y avait de plus normal, mais d'un seul coup, ne plus être dans sa famille, on devenait quand même un petit peu mis à l'écart. Et je pense que ce qu'il voulait, c'était justement nous prouver qu'on était comme les autres. Et il nous disait, vous êtes même mieux que les autres. Hein, pour nous dire, ne perdez pas l'espoir, vous allez y arriver. Et c'était ça, quoi. C'était un formidable meneur d'hommes, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de générosité. Et c'était pas seulement avec nous, les gens
adorait sa compagnie, quoi. C'était un type extraordinaire.